si on veut être champion, c'est pas juste de battre Nice, c'est de battre toutes les équipes. Donc avec l'équipe de départ, donc là cette fois-ci on est en 3-5-2 et pas 3-4-3. Aujourd'hui on va passer dans l'axe, un peu comme on a fait sur les matchs de prépa. Pourquoi? Parce que l'adversaire laisse beaucoup d'espace dans l'axe. On calme, on les fait sortir et après on les attaque. Ils ont mis qu'on était défaillants sur les coups de pied arrêtés. J'aimerais bien, on n'a pas pris de but. Donc, vous avez Nice qui a fini deuxième l'année dernière, qui là, si Nice gagne, passe devant nous, parce qu'il faut une égalité de points, mais passe devant nous au goal average particulier. Toutes les équipes, elles veulent vous battre. Toutes les équipes veulent vous marquer un but, si ce n'est un but. On est la première équipe à avoir marqué un but à l'OL. Comme je vous ai dit, c'est un derby, il y aura du monde, il y aura quand même de l'animation. Ce qui doit vous animer, en tout cas pour moi, est-ce que je suis stressé? Je vais vous dire oui, mais c'est du bon stress. C'est surtout de l'excitation de jouer des matchs comme ça, où il y a du monde, il y a de l'enjeu. C'est pour ça qu'on fait ce sport, hein. En plus sport collectif. Mais est-ce qu'il y a du stress? Je sais ce que vous êtes capable de faire, c'est le premier test. Alors ce que j'ai répondu, non, c'est pas un test. Tous les week-ends, on est testé. Ah, c'est comme si on avait des cours toute la semaine, et le week-end, on est testé. Et pour moi, ce match-là n'est pas plus important qu'un autre. C'est juste un match qu'il faut gagner. Parce que si on veut être champion, c'est pas juste de battre Nice, c'est de battre toutes les équipes. Et ça, vous êtes capable. Ok ? Mais on dirait pas, mais je travaille vraiment. Je comprends pas l'utilité de ça. C'est vrai, t'as fait toi. Tu veux que je te parle ? Fille ! Faut faire courir par l'instant. Ouais. Wow. Elle a de petites notes. Ah, chiche ! Par l'instant, elle va pas. C'est qui ? D2 féminine, 7e journée de championnat. L'OM reçoit l'OGC Nice. Avec 3 points d'avance sur leur adversaire du jour, les Olympiennes veulent creuser l'écart et continuer de se partager la tête du classement avec Saint-Étienne. L'équipe de Yacine Guesmia veut aussi entretenir sa dynamique. Jusqu'ici, 6 victoires en 6 matchs et pas le moindre but encaissé. Merci. Numéro 8. Numéro 22, 24, 25, 27 et 30, s'il vous plaît. Allez, Jenny, let's go. Ça va ? En forme ? C'était le mot d'ordre sur ce match, c'était de la patience, de pouvoir prendre son temps, d'être calme, de construire son jeu. Et on savait qu'au fur et à mesure du match, il allait avoir de plus en plus d'espace, et c'est ce qui s'est passé. Allez, rentrez dans le vestiaire, on ferme, parce qu'il y a toutes les filles. Et en tout cas, je vais être direct sur la deuxième.
c'est bien, ça pourrait être même très bien si on avait concrétisé par un but. Et en tout cas, dans l'état d'esprit, c'est positif. Vous avez montré que déjà vous étiez supérieur à l'adversaire. Un adversaire qui d'habitude va faire le pressing constamment, et là, elles attendent, elles ont peur. Il faut continuer. Hein. Techniquement, vous avez fait des bonnes choses. Et à chaque fois que vous avez ressorti, il y a eu action de but. À chaque fois que vous avez balancé au hasard, il n'y a pas eu d'action de but. Il faut juste s'organiser un petit peu mieux pour enfoncer un peu plus le clou au milieu de terrain. Restez dans votre zone. Parce que si vous commencez à aller dans la zone des autres, vous n'êtes plus présente dans votre zone. Il ne faut pas laisser d'espace, il faut lire le jeu, il faut sentir le jeu, il faut anticiper. Chacun a une mission et tout le monde va le faire correctement. Si tout le monde fait sa tâche, ça va être facile. Si on sent que l'adversaire ne vient pas, boum, je garde le ballon, viens prendre le ballon. Et par contre, moi je suis arrêté, mais mes coéquipières autour, elles sont partout. Elles se déplacent, les déplacements d'une créent les déplacements de l'autre. Ok ? Accompagner, avancer ensemble. Soyez conquérantes ensemble, quand les attaquants avancent, c'est les 11 qui avancent ensemble. Ok ? C'est parfait. On lâche pas. Allez. C'est la victoire de tout un groupe. Les filles, elles font les efforts les unes pour les autres. En dehors, elles sont toutes solidaires entre elles. Donc non, c'est une satisfaction et je suis vraiment fier de l'équipe.